Bon, bah écoutez, après cette intro, j'espère que vous êtes dans l'ambiance. Eh bien, salut mes vilains, c'est Jojo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une apocalypse de zombies. Et on est sur Trapped Dead, c'est disponible sur Steam pour la modique somme de 2,50€. Hein. Enfin, en tout cas, au moment où je l'ai acheté, c'était en promo, donc j'en ai vraiment profité. Donc, comme vous le constatez, on est perdu au fin fond du Kansas. On a un pote avec nous, on est en panne d'essence et forcément on a trouvé une vieille station-service miteuse dans laquelle on va devoir aller chercher ou tenter de trouver du carburant. Donc, let's go. Je vais voir si la station est ouverte. Ok, je reste dans la voiture. Voilà, bon, bah écoutez, on est parti. Hop, donc... Vous voyez le principe du jeu, je peux zoomer sur le personnage et dézoomer. En fait, c'est tout simplement à la manière d'un jeu de stratégie ou d'un Diablo, ou enfin, voilà. Sauf que bah, c'est dans une ambiance bien différente. Alors regardez, il y a une station-service ici, et écoutez surtout l'ambiance sonore. Voilà, montez le son, mettez le jeu en 1080p, enfin la vidéo en 1080p, grand écran si vous pouvez, et puis bah profitez tout simplement. On est parti pour une petite vidéo détente et angoisse, voilà. Oh là, j'entends. Bah, il y a des corbeaux déjà. Regarde s'il n'y a pas des trucs à prendre. Non, l'essence, c'est pas là. Une porte. Vous entendez? J'entends des trucs bizarres, perso. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Holy shit! Ok, d'accord, un zombie, la porte se ferme, donc voilà, parfois c'est un petit peu scripté comme ça au niveau scénario, c'est assez sympa. Une batte de baseball. Qu'est-ce que vous feriez vous dans cette situation? Vous voyez une batte de baseball, un zombie, soit vous partez ou soit vous tentez de tuer le zombie. Bah moi, je le tuerais, voilà. Allez, hop, donc là, la batte de baseball est dans notre inventaire, je l'équipe. Et là, de temps en temps, il y a des petites phrases un peu sarcastiques. N'oubliez pas, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Calmez ce machin avant qu'il ne vous fasse mal. Allez, c'est parti. On va calmer ce vilain zombie. Ça rappelle un petit peu une scène dans le premier Resident Evil, hein, pour ceux qui connaissent. Quand on découvre le tout premier zombie en train de manger. Allez, attaque-le. Voilà, lui il est mort. Cet endroit n'a pas d'essence. Vous en trouverez peut-être au garage ou au supermarché. Ok, d'accord, bah écoutez, on va voir ce qui se passe ailleurs. Allez, ouvre la porte, mon vilain. On dirait que le fusible est endommagé, réparez-le pour allumer la lumière. Cliquez gauche pour interagir avec les objets. Donc c'est un petit niveau tuto, hein. Forcément c'est le premier, ça explique un peu les bases. Alors là, regardez bien, je vais remettre le fusible. Et là, ça allume donc la lumière dans... l'espèce de salle de bain, et vous voyez, il y a un zombie qui est en train de dévorer. Donc il y a des choix à faire, soit on passe devant tranquille, voilà, n'oubliez pas, courir fait plus de bruit que de marcher. Plus vous faites de bruit, plus vous attirez l'attention sur vous. Donc voilà, on peut choisir de combattre ou pas, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des choix, comme si on était en vrai au final. Donc lui, je pense pas que ça serve à quelque chose de l'attaquer, donc on peut orienter la caméra, vous voyez, il n'y a rien à prendre, donc c'est vraiment pas intéressant. Allez, let's go. Et il y a aussi plusieurs moyens, comme vous allez voir, l'interrupteur de l'ascenseur de service. Utiliser divers pièges avec immunisation permet d'éviter un dangereux contact direct avec ces monstres. Voilà, donc je vais en profiter. Allez, va te faire l'interrupteur. Et voilà, vous voyez, tranquillement, on peut ressortir parce que si j'étais passé sans tuer les zombies, ils m'auraient coursé. Donc, on est parti. Ce n'est pourtant pas compliqué, une station-service doit avoir de l'essence. Normalement, retournez à votre voiture, Gérald aura peut-être une idée. Eh bien écoutez, on n'a rien trouvé ici. Gérald a besoin de votre aide, donc là voilà, il se fait attaquer. Hop, et ben nous, on va courir, parce que oui, on peut choisir de courir directement. Allez, let's go. Allez, va attaquer le zombie. Voilà. Donc, l'avantage de jeu, c'est qu'on peut jouer en multijoueur aussi, jusqu'à 4, je crois. Voilà. Donc là, le premier tableau est terminé, donc il était facile, forcément. Il n'y a pas d'essence dans cet endroit.
Maybe someone there will be able to tell you what the hell is going on around here. What the hell? Fortunately, there's a hospital. Heureusement, il y a un hôpital non loin d'ici. Should have been a nice, relaxing ride to college, ends up in disaster. A gas station full of cannibals and a bite wound. Voilà. Donc là, en gros, c'est le tout début de l'infection, et on va filer à l'hôpital. Hop. Donc, vous voyez, il y a un petit tableau récapitulatif, tranquillement. Et là, bah écoutez, on va essayer de trouver des médicaments pour notre ami qui s'est fait attaquer, comme je le rappelle, dans la voiture. Donc vous voyez, il y a plusieurs tableaux, donc plusieurs niveaux différents, plusieurs univers. Ça va de la station-service en passant par l'hôpital, la ville. Donc voilà. Dépêche-toi mon pote, je me vide de mon sang. L'entrée de secours est par ici, Gérald est trop mal en point pour se déplacer tout seul. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on trouve dans le coin. Ouais. Il est pas très très bien, j'ai l'impression. On va se promener un peu, puis on va voir ce qu'il y a, écoutez. Hein. Vous découvrez en même temps que moi. Oh là, c'est quoi cette porte chelou là? Verrouillé. Bon, d'accord. On va courir quand même un peu, parce que je crois pas qu'il y ait des zombies là. Ouais, vous avez entendu comme moi, hein. Je vais vite me barrer de là. Allez, salut. Ah, l'ambiance est vraiment énorme, quoi. Ça m'inspire rien qui vaille, tout ça. Ça fait vraiment comme... ça fait vraiment comme dans les films avec l'ambulance et tout. Ah, c'est vraiment bien foutu, quoi. Il y a vraiment une super ambiance, quoi. Hop, on va rentrer là-dedans. Nous allons bien voir ce qu'il y a. On dirait que quelqu'un est encore en vie. Je vais essayer de trouver où ce survivant se cache. Oh, donc là, il y a une dame zombie, une infirmière zombie en train de manger. Un pistolet et un kit de premiers soins. Bon, bah écoutez, j'équipe ma batte. Et puis on va aller se faire cette infirmière zombie. Voilà, allez, let's go. Attaque. Attaque l'infirmière. Attaque! Voilà, c'est bon, je crois que je l'ai eu. Nous sommes arrivés trop tard. Ramassez le Beretta et le kit de premiers soins. Ok, je prends. Voilà, merci. C'est un kit de premiers soins utilisé pour stopper les hémorragies. Oui, bon, bah ça, c'est normal. Hop. On va aller essayer de rentrer dans l'hôpital. Putain, il y a un vieux corps là. T'as l'ambiance, ça me met vraiment mal, hein. Je vous promets, mettez le son, hein. Augmentez un peu le son. La voie est bloquée, vous allez devoir trouver un autre chemin pour entrer dans l'hôpital. Ok, d'accord, la vieille barricade toute claquée. Ouais, vous entendez les zombies, ils sont tous en train de bouffer. Écoutez, je vais m'en aller de là. Hop, voilà, ouvre la porte. Voilà, super. Allez, nickel. Allez, bon bah on va aller à Employee Only là, apparemment. Munitions pour le pistolet. Oui, des munitions. Parce que la batte, ça va 5 minutes quoi. Ok, nickel. Assurez-vous que le personnage possède une arme dans son inventaire. Ok, ok. Allez, je la prends. Recharger R, voilà, tout simplement. Ah, donc ça c'est un point de sauvegarde, voilà. Comme dans les bons vieux Resident Evil, où c'était une machine à écrire dispatchée dans le niveau, bah là c'est pareil, il y a un seul point de sauvegarde. Donc croyez-moi qu'il faut bien gérer ces sauvegardes, sinon vous êtes baisé. Il y en a partout, je vais essayer de les contourner discrètement et tenter de trouver le chemin de l'hôpital, ouais. Ça va être un petit peu chaud, j'espère que je vais réussir. Bon. Par où est-ce que je pourrais passer? Est-ce que vous avez une idée? Moi perso, je ne vois pas. Ah, peut-être par là. Non, non, cours pas. Non, non, parce que si je cours, je vais me faire niquer. C'est obligé.
On va y aller discrètement par là, voilà. Putain, il y en a vraiment partout, hein. Ah. Oh là là, je suis encerclé, il y en a dans le bâtiment. Est-ce que je peux voir au-dessus du bâtiment d'ailleurs? Ok, il y a un étage en plus. Oh là 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 là. Ça va être juste horrible quoi. Bon. Je m'approche un peu. Allons-y, pépère. Pépère le hamster, comme on dit. C'est une vieille expression de 1928, mais... Oh non, non, non. Non, il y a un zombie là-bas. J'espère qu'il m'a pas vu. Non, reviens, reviens. Vous l'avez vu là en haut, il est ici. Je crois qu'il m'a vu, je crois qu'il m'a vu. Est-ce qu'il m'a vu ou pas? Ouais, vas-y, va l'attaquer. Attaque le zombie. Ok, c'est bon. Je reprends le flingue. Je crois qu'il y a peut-être une entrée par là, enfin j'espère. Ok, il n'y a pas d'entrée, d'accord. Ça fait... Je vous garantis que ça fait plaisir. Voilà, va par là. Donc les caméras, parfois, c'est pas évident. Oh putain, merde. Allez. Ouais bah je vais... écoutez, je pense qu'il vaut mieux se casser de la zone maintenant, non? J'ai l'impression que tout le monde m'a tricard à 50 km à la ronde. C'est un point de sauvegarde là? Ouais nickel, partie sauvegardée. Putain je le sens vraiment, mais vraiment super mal. Rentrons pour voir ce qu'il y a là-dedans, oh putain. Attaque le zombie, attaque, attaque-le! Ok, c'est bon. Ouh, bah putain. Kit de premier soin là. Je veux le kit de premier soin. Attends, on a réussi à rentrer dans l'hôpital. Ça, c'est cool. Oh, oh, ils peuvent péter les portes. C'est sérieux là? Va-t'en, 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 va-t'en. S'il te plaît. Ouvre, ouvre cette porte. Ouvre la porte là-bas, s'il te plaît, merci. Vite, vite, vite. Avant qu'ils pètent le truc. Ouais, c'est bon, ils m'ont pas. Waouh, c'était chaud, putain. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir, sans déconner. Eh bah, franchement, pour un jeu comme ça, l'ambiance, je vous garantis que c'est pesant. Hein. Sans déconner, je pensais pas que ça sera ce point-là. Ah, regardez, c'est bon, on a franchi de l'autre côté. Nickel. Par contre, il y en a un petit peu partout. Bah là, là ça va être chaud, hein. Oh, ça va être trop chaud, là. Est-ce que je peux contourner quelque part? Non, même pas. Je vais tenter là-dedans. On va y aller vite fait. Je vais prendre la batte, par contre. Allez, va attaquer les zombies. Va attaquer. Voilà, nickel. Wouhouhou, bah putain. Hop. Ouais, on va aller tranquillement par là. J'ai presque plus de balles, ça met trop mal quoi. Eh, attaque, attaque le zombie, attaque. Attaque lui aussi. Ah non! Ils sont trop nombreux là! Attaque le zombie mec! Je vais mourir sinon! Oh putain, ça y est, ils m'ont eu! Ah les bâtards, ils m'ont eu! Bon! Bah au moins ça. Voilà, bon. De toute façon, je suis trop nul pour ces jeux là, donc. Non mais écoutez, honnêtement. Trapped Dead, là franchement j'essaie de vous le présenter assez rapidement certes, pas forcément avec beaucoup de talent, mais vous avez vu le principe du jeu. Il est sur Steam, il coûte vraiment pas cher, et si vous avez un PC à peu près
potable, donc quelque chose qui date d'avant, enfin d'après 2008, on va dire 2007-2008, vous le ferez tourner sans souci, et je vous le conseille vivement. J'espère que cette petite vidéo frisson vous aura fait plaisir. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye tout le monde.